L'ancien concours local de Carouge en Normandie ne cesse d'évoluer depuis son déplacement au Pin en 2013. Organisé pour la première fois sur la carrière de concours du Hara le vendredi 24 juillet 2015, ce national de l'obstacle, comme on l'appelle désormais, qui met en lice des foals, des yearlings et des deux ans, attire de nombreux courtiers anglais et irlandais, ainsi que de célèbres entraîneurs d'obstacles en quête de futurs sauteurs, qu'ils soient d'ailleurs pur sang ou AQPS. Je ne sais pas si c'est un plus, mais ça doit être parce qu'en fait, on a commencé en se disant pourquoi on ne mettait pas des purs sang. Et puis on voit que les autres concours maintenant, ils nous ont suivis et ils ont aussi ouvert au purs sang. Et je pense que c'est quand même une opportunité parce que sinon, les purs sang n'ont jamais l'opportunité d'être jugés au modèle. Et c'est quand même important le modèle, surtout pour l'obstacle, hein, pour des chevaux qui vont courir en obstacle. Parmi les juges venus de toute la France, une guest star a fait son grand retour sur les obstacles, discipline qu'elle a pratiquée à ses débuts. Oui, c'est la première fois, mais ça m'amuse beaucoup et c'est très instructif. Alors bon, forcément, on voit beaucoup de foals, on voit beaucoup de choses, mais on a vu des très très beaux chevaux. Hein. Que ce soit les deux ans tout à l'heure ou les foals maintenant, il y a des chevaux extrêmement bien présentés et des beaux chevaux. Je regarde la façon dont ils marchent parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis après la conformation, qu'ils aient une bonne épaule, qu'ils soient profonds et une bonne arrière-main. Qu'ils soient des chevaux d'obstacle ou des chevaux de place, c'est la même chose. Toujours très proche des éleveurs, les Aliments d'Inavena s'impliquent en tant que partenaires principaux de l'événement. Nous sommes passionnés par le cheval et nous tous ici, tous réunis, tous les éleveurs, les entraîneurs, on est tous passionnés pour la même chose, le cheval d'obstacle. Donc à ce titre, nous sommes nous très présents chez les éleveurs, très présents chez les entraîneurs d'obstacle. Il nous paraissait indispensable d'être là, de participer à l'organisation de ces manifestations pour mettre en contact tous ces gens et participer à ces grandes fêtes. Nous, on ne fait pas que nourrir les chevaux, on est là pour vous apporter des conseils, pour vous aider à mieux faire. Et la vente de vos chevaux fait partie de cet aboutissement et ça nous paraissait normal que d'être là. Et on veut être là et on va continuer à être là et on va renforcer encore nos positions dans cet ensemble de choses. Avec plein de projets qui, j'espère, verront le jour. Le 6, Vitelmente, a remporté la palme dès deux ans. Cette fille de Bernebeau et la robuste Jolimente, gagnante de 8 courses, a été élevée par François-Marie Cotin, l'entraîneur, dont l'élevage est géré par ses parents à deux pas du Pin. Chez les yearlings, le 49 Egeri Smart, petite fille de la semi-classique Bay, quatrième du prix de Diane, a apporté un nouveau succès à l'écurie Smart du Mayennais Pascal Berthoux, grand habitué des podiums de concours. Cette fille de Capgarde avait d'ailleurs enlevé le premier prix des foals du Pin en 2014. Cette fois, le trophée des plus jeunes a été remporté par le Hara du Saz de la Loire-Atlantique. Complétant le triomphe des femelles dans ce concours du Pin 2015, le lot 95, né tard, un 8 mai, est le premier produit par Balingari de l'excellente Nutellas qui a remporté près de 150 000 euros de gains. C'est Pascal Nou qui nous a proposé l'année dernière de venir. On avait connaissance de l'existence du concours, mais on n'était jamais venu et on était habitué à venir au concours AQPS au Lion d'Angers. Et on n'avait encore jamais présenté de pur sang. Et première fois qu'on vient. Et c'est une belle pouliche. C'était une saillie en plus qui avait été gagnée car la mère faisait partie des heureux élus tous les ans des juments qui sortent de l'entraînement et qui ont plus de 100 000 euros de gains. Qui s'appelle Nutella. Et donc c'est une jument qu'on avait échangée contre une 2 ans qui partait au boulot, qui appartenait à monsieur et madame Barreau, qui sont permis d'entraîner dans le sud-ouest. Et donc voilà, belle histoire. On gagne la saillie de Balingari et on gagne le concours grâce à la saillie. La série des concours se poursuivra désormais le 28 août à Decize pour les AQPS du centre, puis le 18 septembre au Lion d'Angers pour les AQPS de l'ouest et enfin le 25 septembre à La Teste pour les Anglo-Haras.